Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité de vous communiquer un de mes meilleurs voeux pour le temps des fêtes, mais aussi quelques grandes orientations pour notre région pour l'année 2013. Alors, les messages ne sont pas très compliqués. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment continuer à unir nos efforts, unir notre énergie pour soutenir les milieux de travail afin que ces milieux-là agissent sur les risques qu'on identifie. Alors, pour ça, on a des bons leviers, on a notre programme de santé, on a notre expertise. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que, suite à notre identification de risque, les milieux corrigent les situations. Pour ça, il faut travailler en équipe, il faut utiliser l'expertise de chacun pour obtenir nos résultats. On avait aussi, dans l'année qui vient de finir, un projet de loi de modernisation de la loi qui était en vigueur, qui a presque été discuté à l'Assemblée nationale, mais à la dernière minute, à cause des élections, ça n'a pas eu lieu. La ministre Maltais a dit que c'était une priorité pour elle, alors qui sait qu'est-ce qui arrivera en 2013? Comme vous le savez, en 2013, par exemple, je vais regarder ces événements-là se produire avec un autre angle. Vous savez maintenant que j'avais quitté l'équipe régionale et le réseau de la santé au travail, pour rester quand même en santé au travail, mais au sein d'une association sectorielle paritaire. Alors, c'est sûr, je vais vous dire que j'ai énormément apprécié travailler avec tout le monde, avec chacun d'entre vous. J'ai demandé déjà au coordonnateur d'aller faire une petite tournée pour pouvoir vous faire mes adieux en personne. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. D'ici là, je vous souhaite encore une fois de très joyeuses fêtes et je vous fais la bise.